faut reconnaître que notre génération ne ressemble en rien à ce que nous avons connu au préalable. La honte est tombée et le modernisme a changé la facette historique de l'humanité. Mais il est évident que si on s'en référait à la Bible, on constatera qu'un homme n'a pas pu sauver l'humanité du nom de Noah en hébreu et Noé en français. Pourquoi ? Juste après cela, 10 générations plus tard, un homme du nom d'Abraham, Abraham, lui par contre, peut sauver l'humanité et le ramener à la raison et au monothéisme. Eh bien, cela se trouve justement au niveau de leur comportement. Noé, Noah, est tzaddik, c'est un juste. Il fait justice. Il s'occupe de lui, de sa famille, de son arche. Tandis qu'Avraham Avinu, Av Amon Goïm, il n'est pas que le père de son judaïsme, premier père du peuple d'Israël. Il n'est pas que le père de la nation juive. Il est aussi le père de toute l'humanité. Av Amon Goïm, le père de l'entité humaine. Et pourquoi est-ce que lui réussira? Parce qu'il est chassid. Chassid veut dire, c'est celui qui sait regarder les points positifs de l'autre. Chassid veut dire celui qui vient aider et pas juger. Et chassid, c'est celui qui vient relever les points bas de l'autre pour les monter vers le haut. C'est ça le domaine du chassid. Avraham Avinu est un homme qui est prêt à défendre Sodome et Gomorre alors qu'ils n'ont aucune excuse d'éviter leur sentence. Tandis qu'apparemment, si Dieu avait prévenu Noah de la situation mondiale dans laquelle se trouvait la moralité de cette génération, c'est qu'il attendait peut-être de lui de trouver des solutions. Mais quand on est tzaddik, si on cherche la justice dans ce monde et dans cette génération, on risque de se heurter à de grands conflits. Je pense que la chassidoute, pour ceux qui comprennent ce langage, a toute sa place pour sauver ceux qui aujourd'hui n'ont plus de raison de l'être.